Un matin, moi j'étais là, ma moto était en panne, j'ai démonté tous les moteurs sur la table là. Ils étaient au nombre de 3 personnes, ils sont venus me trouver en train de réparer ma moto. Le moteur était complètement détaché ce jour-là, puisque c'est le piston qui était cassé. Ils sont venus dire qu'ils ont besoin de Sidou Keïta, le photographe. Ah, j'ai dit, ah vous demandez Sidou Keïta? J'ai dit oui. Il dit oui. J'ai dit c'est moi. Ah non, mais vous êtes mécanicien Sidou. Vous êtes Sidou le mécanicien, mais nous voulons Sidou Keïta, le photographe. J'ai dit mais c'est moi. Mais tu fais les mécaniques. J'ai dit oui, d'accord, ça j'ai fait mon travail pour moi-même. Les mécaniques là, je les fais pour moi-même. Ah, nous venons vous demander si vous en aviez des négatifs, des vieilles négatives. Ça trouvait que j'ai enlevé au moins 3 gros cartons là, je les ai placés à côté de moi, puisque chaque fin d'année, j'ai fait un nettoyage de tous mes négatifs. Voir ce qui commence à détériorer dedans, je l'enlève. J'ai dit bon, il faut rentrer voir les cartons là. Ils sont rentrés, ils ont ouvert les cartons, ils ont pris 2 boîtes d'abord. Ça c'est moi là. Depuis qu'ils ont pris un négatif 13-18, formant 13-18, ils n'en revenaient pas. Ils sont courus sortir dehors. Après, il y a un qui est rentré encore prendre une autre boîte. Ça fait 3 boîtes. Moi, j'ai dit, je ne peux pas toucher à mes négatifs, hein, puisque j'ai mes mains huilées là. Ils ont bien vérifié les négatifs. Ils m'ont demandé de leur faire confiance qu'ils vont y aller au centre culturel français à côté là pour faire une vérification. Après, ils vont venir. Le lendemain matin, ils sont partis à Paris. Ils l'ont mis 3 mois, hein. 3 mois. Après, ils ont téléphoné le directeur du centre culturel. Lui, il a envoyé son chauffeur me chercher. Il dit qu'il y a Paris qui a besoin de vous. Moi, je n'ai pas voulu y aller, hein. Ces jours-là, je n'ai pas voulu. J'ai fait 3 jours sans partir. Décran était obligé de venir lui-même. Il me dit, mais Sidou, on a besoin de vous. J'ai dit, mais besoin de moi pour aller à Paris, comment je vais y aller moi? Il dit, non, venez seulement. Moi j'ai été. Ils m'ont questionné, ils dit qu'on a fortement besoin de vous. On va vous envoyer les billets d'avion, tous les frais. On va vous rejoindre à Paris. J'ai dit, puisque c'était ma première fois, s'il faut que j'aille. Je n'ai jamais sorti en dehors du Mali. Ouais. Mais arrivé à l'aéroport, il y avait du monde. Les journalistes, ils venaient me questionner partout. Je dis, là, ça c'est autre chose. C'est là que j'ai vraiment compris que mes œuvres ont eu du succès.